Ça fait piocher, hein, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. C'était histoire de. Je lui fais mettre ses énergies un peu partout. Ah, on s'en fout, mais... Ah oui, quand même. C'est quoi, ça? C'est que ça? Attends, c'est un objet qu'il a mis. Non, j'ai pas compris. Ok, j'ai pas tout compris. Il vient de se passer des choses que je n'ai absolument pas compris. Ok. La Raichu a 2 d'énergie là-bas, c'est dangereux. Bah ça y est, je vais pouvoir faire des dégâts. C'est beau. Et il fait moins 30 damage, donc il peut pas me toucher. Le fun de cette game, t'as vu ça? Je suis en train de m'endormir en plus. J'ai tellement un manque de sommeil. Je peux pas faire du vieux zoo, hein, je vous préviens. Il est que 23h39. Oh. Dodo! Ugre dodo! Ah, j'ai entendu devenez vegan à côté. Ah, on commence à tuer des trucs. Très bien. C'est quoi son pouvoir à lui? Ok. Ah bah c'est bien, on va pouvoir utiliser l'autre carte s'il a cette carte en main. J'espère qu'il va pas trop en poser. Il va s'arrêter là. Non, il s'arrête pas là. Ah, il a repioché une, donc ça revient au même. C'est bon. Là, on peut faire ça, on peut le soigner de 30. On peut poser ça ici. Les deux autres, je peux rien y faire. Ok, je peux poser ça. Et puis, ça ira bien. C'est vrai que j'oublie tout le temps de... J'aurais pu utiliser ça. J'aurais pu utiliser ça. Et il fait moins 30. Regarde le deck de Crane, c'est l'un des 3 les plus pétés. Ah bon? Mon deck, il est pété? Ok. Ça, on va dire... On va le mettre là. Ça va faire ça avec ça et ça. Ok. On pioche ça qu'on n'avait pas, qu'on va pouvoir mettre. Ouais. Ok. Pas ce que ça fait tout ça, mais voilà. Parfait. Parfait, parfait. Bon, après, c'est pas grave que je sache pas le jouer pour l'instant, je maîtrise la game. Ça y est, il est mort. Ah. On va passer. Alors, qu'est-ce que je prends? Ça, ça fait 60 et ça le soigne de 30 à chaque fois. Alors ça, ça fait 50 et en plus ça peut faire encore plus mal derrière. Ouais, vas-y. Même s'il y a moyen que lui le garder juste pour genre tu mets
un des Evoli, et lui tu le gardes juste pour le faire défausse comment ça s'appelle, des trucs de vert de feuilles là, machin chose, et pour les confus et empoisonner les adversaires. Ah, attends, j'en fais quoi, je sais pas quoi en faire. Si tu veux que j'en fasse, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, tiens, regarde. Voilà. Hop. Et nous avons Naios, Naios qui sera bonne pour la sixième fois, 6 mois de soutien, merci Naios, des bisous et bim le resub, merci beaucoup. Je pensais pas être si crevé, hein. C'est impressionnant, hein. Je ne me voyais point si crevé. Parce que j'ai découpé le live derrière, je pense. Ah là là, direct demain j'aurais dû avoir mon nouveau PC. Yup Angelstone. Je suis content de vous revoir, félicitations pour votre appartement, vos beaux projets et bon courage pour ta douce. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Un grand merci. Je vais faire ça. Et le resto Zef. Alors je veux tester un truc. Ouais, mais non, je vais pas tester parce que... C'est le meilleur moyen pour prendre des dégâts derrière. Voilà, pour avoir des... Ok, alors qu'est-ce qu'on a pioché? Des choses incroyables, des choses dont on n'a rien à carrer. Tiens, on va mettre là-dessus, je sais pas pourquoi, parce que j'ai très très envie. Et j'avais envie de tester quelque chose. Est-ce que ça peut utiliser mon attaque ou pas du tout? Non, je peux attaquer derrière. Ok, je peux faire les deux. C'est sympa ça. Du coup, il va mourir parce qu'il a une bise de poison. Moi, je me heal en plus. Ok. Ok, non, c'est très sympa. C'est très très sympa. Et il a toujours ses trois trucs. Je vais pouvoir aller en chercher. Par contre, là, il va me faire mal. Oh non, il m'a tué. Oh non! Pourquoi il m'a fait 80? Ah, c'est 80. Ok. Je sais pas quoi faire, moi. Il me fait 80. Là, je peux lui faire... Il a combien? Est-ce qu'il a des dégâts ou pas du tout? Non, il a aucun marqueur de dégâts. On va faire ça. C'est quoi ça déjà? Ouais, j'en sais rien. J'en sais rien. Un petit 80. Comme ça, je pourrais le tuer derrière. Même s'il me tue, bon, il ne tuera pas. Sûr de gagner encore. Oula. Oh non. Oh non, pas encore. Ok. Là. Et on y croit. Ah bah c'est bon. Attention, il mourrait, il se passait. Mais ça me heal, c'est plutôt cool. Mais bon, je vais me reprendre 80 d'attaque derrière, mais c'est bon. C'est bon, normalement on est bon. Surtout qu'il met un Pikachu sans rien dessus, donc ça sert un petit peu à rien. Il se défausse, il piochette. Mais je te donne un point Google pour avoir posé une question à laquelle il ne peut pas répondre. Oui, t'as vu cette galère? Hop, tiens, voilà. Dommage. Dommage, dommage, on ne le tue point. Ça aurait été la fin de la game. Oui, non, mais je vais le faire, c'est sûr. C'est bien. Pourquoi il...
Il a abandonné? Pourquoi il abandonne? Il avait plus de cartes dans son deck, c'est ça? Elle avait plus de cartes dans son deck. C'est ça? Non, je sais pas. Bah oui, ça doit être ça. Ouais, du coup, je succède. Parce qu'il aurait fallu que je continue contre elle avec bah, ce tech là par exemple qu'il n'a pas fait. Hop. Ah, j'avais dit que j'arrêtais. Mince, j'ai lancé une game. Oh là là, je me suis fait avoir. Ah, oh, mais je comprends pas pourquoi je suis fatigué comme ça. Enfin, si, je comprends pourquoi je suis fatigué comme ça vu que j'ai dormi 2 heures et les journées de fou que je me tape. Mais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Toi, tu fais quoi dans la vie? Tu vas aller là. T'as pas mal d'HP. Toi, tu vas aller là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Un peu pourri ma main là. Ken, tu es fatigué, ça se sent. Non! Pas du tout! Pas du tout fatigué! C'est pas vrai! Même pas vrai! J'ai une question à te poser. Connais-tu l'avis de Fred, Seb, Maïr et Bob sur le jeu Ark Survival Evolved? Désolé, je n'ai pas entendu ce que tu as dit, j'ai bugué. Je crois que Fred et Seb y ont joué sur une de leurs vidéos. Là, ça fait quoi? Hop. Fais-moi rêver. Ok, c'est pas ce que j'appelais me faire rêver. Bon, attends, on va tenter ça. Même c'est pas forcément la meilleure idée du siècle. Et terminer ce tour. On va t'aider à la fin de cette game, on te rappelle de quitter. Ça marche. Tu gagnes si ton adversaire n'a plus de cartes dans son deck ou sur toutes les récompenses si ton adversaire n'a plus de Pokémon sur son terrain. Gain the last one, c'est ça. Ah, du coup, c'est con parce que j'aurais bien... Non, on va faire ça. Allez, vas-y, échange ton Pokémon. Voilà, parfait. C'est embêtant. Bon, on va le faire quand même. 60 de dégâts, c'est toujours bien. Derrière, il va pouvoir faire que 10. Mais vu qu'il y a de la résistance, il va pas me toucher. Voilà, nickel. On peut hop ça. Mais. Ok. Un petit peu d'énergie, s'il vous plaît. Non. Pas un Evoli. Énergie, pas Evoli. Énergie. D'accord, je sais pas pourquoi il a pas mis là-dessus, mais. Est-ce qu'il soigne? Ah, ça c'était intelligent, dis donc. J'en ai un peu marre hein, que l'ordi triche comme ça. Hein. C'est un peu pas normal hein, d'être un gros tiricheur comme ça. Il y en a pas le même nombre de cartes. J'aurais peut-être dû le poser. Ouais, mais non, ça change rien. Je pourrais le poser après, c'est pas grave. Il peut la jouer, ok. Ah bah, voilà, ça c'est normal ça. Ça c'est bien. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Le décès. Crane, si tu entends des voix, c'est qu'il faut aller faire dodo. Tu n'es pas fatigué, ton regard est intensivement attiré vers un point random de ton bureau, c'est pas pareil, ça doit être ça. Ah, ça par contre c'est potentiellement cool. Devrait pouvoir... Oh, rien du tout. Ça va, et la marmotte, hein, la marmotte elle met le chocolat ou ça? DTC? C'est très bien ça. Voilà. Comme ça on va faire un petit 120 de dégâts. C'est parfait.
C'est totalement parfait. Alors faut que je puisse jouer la carte qui va être sortie. Très bien, je peux. Je peux faire ça. Ça. Elle est bien cette carte, Boreas. Ça passe plutôt bien. Je vais faire tout le jeu avec. Une carte, ça c'est plutôt cool. Là il me faudrait ça que je peux poser, donc je peux le one shot aussi. Ok, trop de cartes, trop de cartes. Je suis pas sûr, je ne pourrais point suivre. Je vais me faire 42 dégâts. Vu que j'ai la résistance, normalement il ne fait que 20. Nickel. Nickel. Alors attends. Non, je peux pas. Du coup, on va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Et prochain tour, on a gagné. Tu avais parlé de faire Divinity Original Sin avec Modis, ce genre d'actualité, quand vous serez bien installés tous les deux. Je sais pas si ça lui plaît vraiment. Je sais pas si ça... Elle est mitigée. Donc peut-être qu'on testera de notre côté, et si ça la tente. Parce que j'ai envie qu'elle joue un jeu qui lui plaît aussi. Oh là là. Passionnant. Ça, je peux faire 120, c'est joli. Ça fait 100 d'excédent. Et c'est gagné. Ah là là. Tu vas jusqu'où? Ok. On va peut-être choper un booster avant d'arrêter la partie quand même. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important, il faut un booster. Je vais maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a juste ça à Prousy. Ça qui permet potentiellement de remélanger. Terminé. Qu'est-ce qu'il nous pose en face? D'accord, il a posé tout ça. Un petit peu du foutage de gueule. On peut mettre ça. Ça, c'est du 30 fois le nombre de pièces. On peut potentiellement mettre ça. Là, on peut... aller chercher un Pokémon. J'aurais pas dû le faire maintenant. De toute façon, ça marche pas. Donc ça règle le problème. Et le reste, je vais attendre. Dernière partie, je vais me coucher. Crane, trois parties avant, c'est ça. Crane qui agresse les petites filles à coups de cartes Pokémon. En tout cas, nous sommes des beaux titus en train de dormir. Mais non. Bien sûr que non. À vous de jouer. Un petit 20 de dégâts. Voilà. Je peux pas utiliser cette carte tant que j'ai encore de l'énergie. GG. On est pas mal. On est pas mal. Et en plus, on perd rien. Plutôt cool. Plutôt cool. Par contre, il faudrait quand même poser un deuxième Pokémon. On sait jamais. Je sais pas ce que ça fait ça. Quand vous avez 4 cartes dessus de votre deck, vous pouvez montrer une carte dresseur que vous y trouvez. Parcours au sol, ajoutez à votre main. Okay. Alors, ça, c'est quoi? C'est... Ah oui, tiens, je l'avais jamais vu. Je l'ai débloqué, jamais touché. Feu ensorcelé. Une seule fois pendant votre tour, avant votre attaque, vous pouvez piocher des cartes jusqu'à ce que vous ayez 6 cartes en main. C'est très très bon. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée à ce Pokémon. Ok, c'est cheaté.
Je suis sûr que Crane est suffisamment fatigué pour rigoler n'importe quelle blague. Je suis désolé. D'accord. Tiens, on va faire ça. Terre brûlée. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ok. Et on va rien faire d'autre parce qu'en face, il joue terre. On va juste faire ça. Ah, j'ai perdu une carte énergie, mais c'est pas grave. On est bien quand même. On est bien quand même. Ton dernier rire, là, c'est pas... Il va se faire one shot aussi. Il va me faire 10 de dégâts. Ah non, il va pas me faire 10 de dégâts. Ah bah tiens, le voilà. Du coup, je sais pas. Hein. Ok. Quand tu commences à chanter le lac du Connemara, il est vraiment temps d'aller te coucher. Non, mais cette carte, à chaque fois que tu vois terre brûlée, t'as envie de chanter le lac du Connemara. Et un grand merci à Angel Soul. Angel Soul qui se rabonne pour la 8ème fois, 8 mois de soutien. Merci à toi, les bisous, et bim, le resub. Merci beaucoup. Un galopin. Pff, vas-y. J'ai décidé de tout faire avec lui, voilà. Voilà. Ah, ça c'est moche. C'est pas gentil, c'est vilain. Aïe. Il a pas de résistance. Non, je peux le tuer comme ça, oui. Je suis sûr de pas perdre de cartes. C'est parfait. À la fois que j'ai entendu du Connemara, il était 3 ans en sortie de bar. Oh, le lac du Connemara, oui, c'est bien de la chanson de bar. Bah, tu peux pas me faire de dégâts hein, si tu l'évolues pas ton machin. Hop. J'aurais bien aimé. Ok, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Et donc 70 points de vie. Hop, hop. Petit face. Non, d'accord. D'accord, j'ai compris. Tu vois des dindons partout, c'est ça. Ça fait peur, ça. C'est quoi ça? Alors, tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques de Pokémon feu ou eau de votre adversaire sont réduits de 30. Oh bon non. Oh bon non. Ça se fait pas. Pas très très gentil. C'est bon, tout va bien. Dégâts réduits 50. On peut poser cette magnifique carte, le faire évoluer ici. Faire ça et ça. Ça. Et ça. Et on va faire face. Parfait. Non, pas une énergie, t'es sérieux. Je peux poser ça. Chercher une carte supporteur et une carte énergie de base. Oh, ça c'est bien ça. Et voilà. Ok. Oh, c'est con, il est mort au prochain tour. Moi je voulais utiliser une goupille. Pile. Très bien. Aïe. C'est douloureux. Ça a l'air génial. Est-ce
que j'ai là-dedans? J'en ai 3, donc je peux faire ça. Ah, je peux pas. Oh, c'est triste. 50, 70. On va être en fait, ça coûte 2. Bon, oh, tant pis. Tant pis, on va le tuer avec ça. Tant pis! Victoire. Est-ce que là on a une nouvelle carte? Je pense que oui, par contre. Et prochaine game, normalement on a un booster. Courrier du dresseur. Ok, donc on va prendre le deck d'après, c'est le deck haut. Et on devrait avoir un petit booster ou alors deux games. Aube du chaos, c'est un fruit, crène et vegan. Alors, un crène alors mange aube et une fois dans son organisme, aube contrôle crène, c'est un complot fruité. Oui, c'est moi qui suis fatigué, c'est pas vous, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Yep, Hachikuji. Un magnifique ça, avec une magnifique Magikarp derrière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La question, c'est quand est-ce qu'on a notre Leviato? Super. Je veux jouer. Terminer le tour. Alors, c'est quoi sa faiblesse? Faiblesse, c'est le dark. Faiblesse, le vert. Dark. Ah oui, c'est le même. Faut que j'arrête de faire ça. Et donc, pas de dégâts. C'est parfait. Léviateur, allez. Allez, allez. Mais oui, regardez. Si c'est pas beau. Est-ce que ça vous plaît pas ce qui est en train de se passer? Parce que moi, ça me plaît beaucoup. Sauf si, bien évidemment. Il est dans les cartes de récompense, t'es sérieux? Je vais chercher ça. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Dégoûté, ça aurait été tellement vite. Oh, attends, si je fais ça, c'est pas terrible, mais bon. Si je sauve son évolution derrière, ça lui fait 5 de dégâts. 40? Pourquoi 40? Ah, ça fait 20. Oh bah non. Vraiment, je peux pas le tuer du coup. Oh, vas-y, t'es relou. Ah, du coup, il va me tuer. Oh, et en plus, il fait tout ça. Ouais, vas-y. Et en plus, il efface. J'aurais pu survivre. Pas quoi te dire, moi. Oh, ça aurait pu aller tellement vite, cette game. Et là, c'est le bordel. Il est intelligent, pour une fois, tiens. Allez, vas-y, Coraya. Vas-y, vas-y. Là, elle apparaît. Je mets mon bras comme ça. C'est pas très bon signe. J'ai repioché un Magikarp. T'es sérieusement sérieux? Elle s'annonce pas très très bien, cette game. Ah, il est mort. C'est cool. Et c'est maintenant qu'on va avoir Léviata. On va quand même build hein, au cas où, si on pioche rien, je veux dire. C'est quoi son talent? Une seule fois pendant votre tour, vous pouvez défausser une carte énergie de votre main, dans ce cas, placez 3 mercredes de dégâts sur un Pokémon. Allez-y. Vas-y. Il va faire 60. Si jamais il a une carte. Je
je peux lui faire. S'il fait 60, il me tue, on verra. Dommage. Juste qu'il pioche pas d'énergie et on est bon. Non, bah il en avait une. C'est foutu. J'aurais dû me healer. C'est foutu. C'est mort. C'est mort. Il avait même le one shot. Elle est perdue celle-là. Elle est perdue. Je sais pas quoi faire. Elle est perdue. Elle est perdue. On la refait. Ah dommage. Il aurait fallu que j'aille me coucher, j'aurais pas eu de défaite. Mais bon, je veux tellement mon booster avant d'aller me coucher. Manu Karim. Manu Rombots. Ok. On va poser ça. Ça. Je pense qu'on va augmenter le flottage. Cherchez jusqu'à deux Pokémon de base dans votre deck. Ça c'est tentant. Est-ce que on a le Léviatruc? Ouais, il est là. Donc on peut potentiellement build un Magikarp. Et ça on va le mettre quand même. Hop. Hop. Allez, on y croit. On y croit complètement. Et ça, on verra après, c'est pas important. Terminé le tour. Je crois que j'utilise un max de cartes. Là, je vais pouvoir le faire. Voilà, je vais le faire défausser de son énergie. Une pioche, ça m'arrange. Une carte de plus. Ouais, non, c'est très bien. C'est très bien, parce que je peux faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Ah non, je peux pas jouer ça, mince. Ah, j'ai des cons, c'est pas grave. Ah, je déconne. Et nous avons Vredes qui se réabonne pour la quatrième fois, 4 mois de soutien, merci à toi, les bisous et bim le resub, merci. Et il peut rien faire, non, bah, finalement c'est mieux. Il a chopé une énergie, mais c'est pas grave. Ok. Dommage. Mère agitée, une seule fois pendant votre tour, chaque joueur peut soigner tous ses Pokémon, ça et ça, d'accord, très bien. Là, on peut... Up et ça. Ah, du coup, je vais avoir ça. Attends, ça fait quoi? Ce Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon qui attaque. Ah, oui, non, mais c'est extrêmement violent. Donc, il va falloir. Bah, non, il va falloir lui en mettre maintenant. C'était pas prévu, ça! C'était pas prévu. C'est pas grave. Ce sera bien. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et il va faire 42 dégâts. Il va me dégager 30. Ok, ça passe. Ok, ça fera 30 de dégâts, vous pouvez défausser toute carte. Ça c'est un danger. Très bien. Non, pile. Comment tu cheats? Ça fait 40, c'est pas très grave. Parce que je me heal de 30 derrière. Je peux faire ça. Ça. Culbute. Non, je ne vais pas défausser le stage. Voulez-vous? Non. Ok, ça devrait bien se passer. Je pense qu'on est bien. C'est chiant, ça veut dire que je suis... Ah, là, mais trop... C'est un petit peu relou, dis donc. Ça, c'est pas important.
en main. Tac, ça c'est fait. Hop, hop. Non. Bon, bah, je pensais l'avoir au Léviathan, et bah non, bah, je l'aurai au Seymour. Oh, mais t'es relou. Faut arrêter de faire ça. C'est une belle jambe, tiens, donc. Magnifique jambe. Voilà, super. Allez, parfait. Et là, je vois pas trop comment on peut perdre. Encore de l'énergie. Parfait, pas de problème. C'est le GG. On va prendre 10 de dégâts, ça va être assez violent. Voilà. D'énergie. Dis donc, tu vas nous chercher des trucs absolument géniaux. Ok. La partie, ouvre le booster. J'espère que c'est la dernière. Qu'on finisse sur un magnifique ex. Plus qu'un Pokémon! J'aurais pas eu mon Léviathan. Bien sûr, il prend celui-là. Extrêmement logique. Ah! Ceci dit. Déferlante. Il m'a fait 30 de dégâts. Extrêmement impressionnant. Ça aurait été beau de finir avec un petit. Voilà, il est prêt. Mon Magikarp, il est prêt. Il est prêt à conquérir le monde. Et c'est la victoire. C'est bon. On a un booster. C'est parfait. On a une nouvelle carte aussi. Ouais. Alors, Yone Assurance. Je sais pas ce que ça fait, mais ça a l'air génial. Ah! Booster, booster, booster! Collection. Booster. Ouvrir. Allez, on y croit. On y croit, la carte de ouf qui va changer toute ma vie à tout jamais. Et qu'une seule rare, donc c'est un peu. Je le sens pas très très bien pour l'ex. Nirondelle.
Oppermine, Miaous, Tilton, Blindeys, Raspedipic, Timmy, Brasilion, Oppermine, un autre, et attention, attention, un déflaisant. Pendant votre prochain tour, chaque attaque de ce Pokémon inflige 80 dégâts supplémentaires. Ok. Lancez une pièce, si c'est pile, cette attaque ne fait rien. Ça a l'air bien. Ça a l'air très très bien. Même si ça, potentiellement, tu fais 80 à chaque tour. Et si tu es joueur, tu tentes le 200, mais... Je suis pas très hypé. Je suis pas très très hypé par ce paquet. Je tiens à le dire. Je suis pas très très hypé par ce paquet. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Y'a pas de Pokémon dindon. Et non. Bon allez, je vais vous envoyer chez Maudy. Et puis moi, je vais aller m'affaler sur le lit ou je sais pas quoi. Parce que je suis en train de décéder. Je vais vous envoyer chez Maudy. Elle joue à quoi, la Maudy? Enfin, on va aller voir. Nous allons aller voir. Maudy est sûr. On teste des trucs. Voilà. Maudy, elle est en train de jouer à On teste des trucs. Ça a l'air très très bien. Donc, je vous fais les bisous. Hop, 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 hop. Voilà, on lance un petit host de Maudy. Merci pour la soirée, je suis vraiment désolé. Hein. Je suis très 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 fatigué. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Normalement, demain je suis sur Gaming Live demain soir. J'essaierai peut-être de streamer sur ma chaîne demain après, mais on a tellement de trucs à faire, donc je sais pas. Je sais pas, je sais pas. J'aurais bien pris la journée aussi pour tout, mais j'ai déjà pas streamé sur Gaming Live la semaine dernière. Mais j'aurais bien pris la journée pour continuer les installations. Mais bon, on verra, on verra, on verra. Je vous fais des bisous, et en tout cas, si vous me retrouvez sur la chaîne dimanche soir, ça c'est sûr et certain. Et pour demain, je vous tiens au courant. Ciao, ciao, bonne nuit tout le monde, des bisous, bye bye. Mais je vais être obligé d'attendre 20 secondes pour faire le host, parce que sinon ça va couper en plein quand je suis en train de parler. Voilà. Donc je vais bouger la main de façon très très intense pendant 30 secondes. Avec un air extrêmement... l'air qui respire l'énergie. Non, merci pour la soirée. Des bisous tout le monde.